could stay. Et bonjour. Alors ce matin on se retrouve encore en train de monter. Hier on vous a un peu menti en fait. On n'a pas encore totalement fini avec l'école, vu que notre hôtel était à la moitié du col de Saint-Martin. Là ça fait 6 km, quasiment 7 km qu'on monte. On est presque arrivé. Et après on descendra vers Nice. Sachant que normalement la route des Grandes Alpes elle continue jusqu'à Menton en passant par le col de Turini. Mais pour faire ça il fallait 2 jours. Or nous il faut absolument qu'on soit à Nice aujourd'hui pour rendre les vélos. Et lundi on est à Montréal. Et si vous posez la question de comment est-ce que je fais pour monter un col sans les mains et sans être essoufflé, c'est parce que comme Claudia hier, maintenant je suis en turbo. Allez, je me remets dans un mode plus normal pour pédaler. C'est le dernier kilomètre du dernier col avant d'arriver à Nice. Marqué arrivé. Bon, c'est pas vraiment l'arrivée encore. On a encore 70 km. À la base, on devait prendre une petite route qui passait par les montagnes. Malheureusement, la route est fermée. Du coup, on a trouvé une piste cyclable qui va normalement nous amener jusqu'à Nice. Donc, c'est aussi bien. You're a beautiful sight in the summer night. On est obligé de se presser un petit peu parce qu'il y a l'orage qui nous suit de près derrière. Mais la piste cyclable, elle est superbe. Ça y est, on est arrivé à Nice après plus de 85 km. C'est officiellement notre plus longue étape. Mais on est bien content. On va pouvoir aller se jeter dans la mer. In the mist,